Bonjour et bienvenue, on continue notre petite aventure. Donc on est après un stream de 5 heures. On est après un stream de 5 heures plus moi qui ai un peu joué sur le côté aussi. J'ai fait quelques trucs, j'ai rajouté des mods aussi. J'ai rajouté des mods, ça y est, ça commence. Le jeu est techniquement pas sorti au moment où je fais la vidéo, on est le 5 et il sort le 6 septembre. Il y a déjà plein de mods, il y a déjà plein de mods. Alors, les modes que j'ai mis. Alors déjà, l'inventaire. L'inventaire, en fait, ça réduit... vous savez que normalement, on doit scroller, en fait, pour atteindre toutes les catégories. Là, on a directement toutes les catégories. C'est juste un peu plus mince, en fait, chaque catégorie. Et du coup, on peut mettre plus de choses, en fait. Donc, honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est plutôt cool. Aussi, l'inventaire, normalement, il est un peu plus réactif que la normale, parce que je crois que, alors apparemment de ce que j'ai compris, l'inventaire, enfin le menu est codé avec du 30 fps et là ça le monte à 60, donc en théorie il est plus réactif. Aussi le fait de l'ouvrir et de le fermer, c'est plus rapide. Normalement je crois qu'en vanilla on peut pas le faire comme ça, le fermer et l'ouvrir aussi vite. Mais bon, honnêtement le coût de l'inventaire là comme ça c'est vachement bien, je trouve que c'est vachement bien. Pas besoin de scroller tout ça, on peut directement accéder à tout. Et on voit plus de choses aussi, genre pour les armes et tout, c'est plutôt cool. Donc ouais, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça c'est le Compact Inventory UI que j'ai mis. Après j'ai la barre de vie. Alors normalement la barre de vie dans le jeu elle reste tout blanc, tout le temps blanche. Donc en gros c'est plus ou moins l'interface en fait qui est tout le temps blanc, hein, la montre aussi et tout ça. Enfin la montre peut passer en rouge si on n'a plus l'armure qui protège. Mais voilà, la santé elle reste toujours en blanc et c'est vrai qu'on a du mal des fois à voir si on est en danger ou pas. Et là on a un dégradé de couleur, donc c'est blanc 75% et plus. Après à 50%, entre 50 et 75 c'est orange ou jaune je crois. Après en dessous c'est orange et après quand il reste 20% ou 30% c'est rouge. Donc on verra ça quand on combat, donc ça c'est cool. Il y a aussi il y a ça, donc ça c'est quoi, comment ça s'appelle, Enhanced Player Health Bar. J'essaierai de mettre tout ça dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description, mais je vais sûrement oublier comme d'habitude. Surtout que le jeu encore n'est pas sorti, il faut encore le patch day one, apparemment il va être très gros. Donc ouais, on va voir s'il n'y a rien qui bug et qui saute. Et aussi, c'est retirer en fait le filtre de couleur. Parce que si vous avez remarqué, c'est surtout à la nouvelle Atlantis, ça le fait souvent. Genre, rien que d'avancer comme ça vers la vitre, il y a une couleur, une sorte de couleur vert en fait. C'est un filtre. Beaucoup de développeurs, énormément de développeurs, énormément de jeux ont ça. Des filtres en fait pour donner des fois un ton à la scène. Et Starfield est un peu trop forcé en fait sur ça, et c'est vrai que des fois quand on était en ville, bah, c'était un peu étrange. Il y avait en gros une couleur verdâtre ou... While we're here, let's swing by Centaurian so I can pick up some ammo. Qui change en fait un peu les couleurs et tout ça, et qui te donne une grosse couleur un peu bizarre. Et du coup maintenant normalement c'est enlevé. Alors c'est enlevé dans tout le jeu en entier. Donc en gros on va voir si ça crée des problèmes ou pas. Donc si jamais on voit des couleurs un peu bizarres, c'est sûrement le mod qui fait ça du coup. Et du coup ça voudrait dire qu'il y a quelques encore petits problèmes. Encore une fois, hein, le jeu n'est pas sorti. Hein, donc, mais voilà. Mais sinon ouais, je suis assez content parce que honnêtement la nouvelle Atlantis est super belle comme ça. Et c'est vrai que d'avoir une sorte de filtre verdâtre qui se met sur le jeu, c'est vraiment pas beau. Et j'ai remarqué ça plusieurs fois en fait. Des fois je disais rien, mais je me disais dans ma tête, putain mais c'est vachement moche. Est-ce que c'est un problème de graphisme et tout Mais en fait non, c'est juste le choix en fait qu'ils ont fait. Donc ouais, tout devrait être un peu plus clair et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bah c'est tout en fait, pour le moment c'est tout. J'ai essayé de mettre un mode, alors c'était un mode qui existait déjà dans Fallout 4, je m'en rappelle.
où il y avait des préfixes en fait devant tous les objets, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Je sais pas si c'est parce qu'il existe que en anglais, du coup il faut le jouer en anglais. Mais il y a des préfixes en fait devant tous les objets pour dire par exemple si c'est des boissons, si c'est de la, des soins et tout ça. Donc ça, j'essaierai de le faire fonctionner. Mais ouais, donc voilà, ça ce sont pour les mods que j'utilise. Ok, sinon, pour le vaisseau, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, le vaisseau, on a changé un truc. On a changé un truc, parce que j'ai... En fait, il me manquait un peu de la place. C'est ça. Donc, le compartiment principal. Enfin, moi, j'avais rajouté, si vous vous rappelez, hein, au dernier épisode, on avait rajouté donc le labo. Enfin, c'était pas le dernier, mais ça fait depuis un petit moment. On a le labo et l'atelier, en fait, à l'arrière. Et après, celui de l'avant, je l'avais pas changé. C'était toujours le même par défaut, en fait. Et là, j'ai mis une armurerie à la place. Le stream aussi est dans la, la playlist, hein, si vous cherchez. Donc, j'ai mis une armurerie. Donc, j'ai pu ranger pas mal de... d'armes que je voulais pas vraiment vendre en fait parce que bah voilà quoi et j'ai pu ranger aussi quelques grenades donc j'ai mis des armes que je voulais pas vraiment vendre mais que j'utilise pas vraiment parce qu'elles sont un peu bof en gros je les mettrais je les donnerais je sais pas au NPC j'imagine j'en sais rien là c'est tous les couteaux que j'ai là c'est des mines et des grenades. Que j'ai beaucoup de mines et de grenades en fait, et au final c'est vrai que ça pèse lourd hein, au bout d'un moment, j'en ai déjà pas mal sur moi, 12 et 10, on va utiliser surtout ces deux là, après j'ai encore des mines, bah, tiens je pourrais les déposer. Voilà, donc voilà ça, il y a encore une arme ici, il y a un pistolet ici, donc ouais, et j'ai mis des casques aussi. Là, avec ce casque-là, ça fait le coup invisible, mais c'est un petit bug. Mais il faudrait leur mettre en fait des combinaisons, mais les combinaisons, je les ai vendues par contre. Donc voilà. Bah, y a rien d'autre. Enfin, si. Par rapport aux épisodes, en fait, si vous suivez les épisodes, j'ai fait aussi des. Alors, on va directement se téléporter là-bas, comme ça, je vous montre. J'ai fait aussi des avant-postes. Donc, je vais vous montrer ça. C'est ici. Valo, il y en a deux d'avant-poste, donc il y en a un sur Polvo et il y en a un autre sur Navachi. Donc on peut aller sur Polvo. Je crois que même ça, ça va plus vite, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que même ça, ça a augmenté. Donc avant-poste, non, c'est pas ça. C'est ça. Polvo AP01 IRU. En gros, c'est comme ça que je les marque. Et j'ai fait pareil sur la Lune. Là, il y a Navachi AP01. Putain, c'est joli avec le soleil derrière. En gros, c'est Navachi, c'est le nom de la Lune. Après, avant-poste 01. Parce que comme ça, si jamais on en a d'autres, voilà, on met des chiffres. Et après, c'est donc de l'hélium. De l'hélium 3. De 3HE. Et de l'aluminium. Donc là, ça récupère de l'aluminium et de l'hélium. Et celui-là, c'est de l'uranium et de l'iridium. On peut y aller, je vais vous montrer. Celui-là est sympa, parce qu'on a fait des tests un peu en stream et tout, c'était pour montrer aux gens, parce que comme le jeu est techniquement pas sorti, les gens voulaient vraiment voir pas mal de trucs. Et moi, ça me permet de faire des tests, et puis du coup, ça, je vous montre en épisode. Ça m'a... Honnêtement, j'ai passé des heures dessus. Now this planet, this is more my speed. Juste pour faire des tests. Ah oui, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de ressources, en fait. Maintenant que j'y pense. Ouais, j'avoue que j'ai utilisé beaucoup de ressources. Donc, avant-poste... faire ça. Honnêtement, regardez le stream à la limite, j'ai envie de dire, parce que je le fais pendant 30 minutes. Il y a dans la description du stream, il y a les annotations pour directement aller au moment où je crée tout ça. Donc on va enlever ça. Donc là, on a de l'énergie. On a l'amplificateur de scan. Ça, ça récupère donc de l'iridium. Et là, c'est de l'autre côté.
c'est de l'uranium. Et là, c'est ma zone, en fait, où je peux venir avec le vaisseau maintenant, parce que ça y était pas avant. Et là, j'ai fait ça aussi. Il faudrait que je détruise ça, parce que ça me sert un peu à rien. Voilà, comme ça, je récupère les ressources. Oh, merde! Il y avait... C'est quoi? C'est Lynn? Il y avait Lynn dedans. Oups, pardon. Oui, parce qu'on peut les placer, les gens. Et les structures, c'est vachement bien, parce que les structures, on peut les mettre au sol, en fait, au ras du sol. Ou alors, on peut les monter comme ça. Et là, je l'ai monté, en fait, pour tester. Et c'est super, super haut. Donc, on peut faire ça. Ouais, c'est là. Genre ça, là. On peut les monter super haut, en fait. Comment j'avais fait? Ah oui, il faut cliquer une fois. Et après, vous faites haut et bas. C'est vachement sympa. Annuler. Et après, ça se snap avec les structures et tout. C'est vraiment cool. Ça va, ils sont sympas, non? Enfin, je crois. Là, on a de l'iridium et de l'uranium. Bon, les containers sont pleins. Je prendrai encore un peu plus de temps pour faire des meilleures zones. Là aussi, c'est pas extrêmement bien fait. En fait, je devrais... Ouais, j'avoue que j'avais fait ça très vite. C'était pour tester, mais ça, il faudrait le baisser, en fait, pour pas qu'on ait la rampe. La rambarde. Hey! Ouais, sinon j'ai voulu mettre Lynn et Heller ici pour faire des tests. Yeah, salut Heller. Donc ouais, c'est cool. Donc Heller, c'est avec l'équipage. Donc les deux, ça y est, ils sont plus avec moi maintenant, ils sont ici. Mais c'est vraiment juste pour tester en fait, juste pour le fun. Mais honnêtement, c'est super cool de faire des avant-postes en fait. C'est pour ça aussi que j'ai passé pas mal d'heures à... Ah putain, laissez-moi passer. À récupérer pas mal de différentes ressources. Surtout du fer et tout. Le fer, j'ai toujours pas d'endroit où je récolte du fer. Il faudrait... La lune au système sol est pas mal pour ça. Ouais, la lune au système sol est vraiment pas mal. C'est notre système solaire, hein, la lune de la Terre, hein, je parle. Donc ouais. Il faudrait que je mette un truc là. All thrust is firing. Pour la plupart des objets basiques, genre containers, pièces et tout ça, c'est surtout de l'aluminium et du fer. Donc c'est les trucs les plus importants en fait à avoir en masse. Popping retros. Orbit achieved. Ok, donc, nous on va se concentrer un peu sur l'histoire. Donc on va aller sur Nezoï, on va avancer. On avait trouvé Adreja. Ah oui, on s'était arrêté sur une autre planète la dernière fois. Oui, je me rappelle maintenant, sur l'autre planète. On avait fait une petite mission et tout ça où quelqu'un nous disait d'usurper son identité pour parler à un chasseur et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça qu'on avait fait. Je m'en rappelle maintenant. Même le curseur là, vous voyez que le curseur, en fait, si vous mettez en 60 fps la vidéo, vous voyez que le curseur il est pas en 60 fps. Donc il y a ça aussi, mais il paraît qu'il y a des... Il paraît que le mode fait un peu cracher en fait. Donc celui-là je l'ai pas utilisé. On va aller à l'Olympus du coup. Attendez. Je sais pas pourquoi le bouclier il est pas au max. Hop, c'est parti. Donc ouais, on continue l'histoire. Ça serait bien que le curseur revienne automatiquement au centre. Ok.
fait voir un peu la gueule que ça. Parce que là, on est où exactement? On est loin? Non, ouais, là, nous, on s'était arrêté là, je crois. Ouais, on s'était arrêté là. Du coup, on avait fait comme ça. C'était ça, en fait. Et nous, on s'était du coup arrêté là, et c'est là que j'ai fait les avant-postes. Ok. Ça marche, je commence à m'en rappeler. Parce qu'entre le stream et ce que j'ai fait de côté, ça m'a, honnêtement, il y a beaucoup d'heures qui se sont passées. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, on est arrivé à Olympus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Thanatos. Donc, géante de glace. Ok. Ourea. Anank. Ok. Nezoï. Trouver l'artefact sur Nezoï. Ok, ça marche. Et l'Almagest. D'accord. Ah. Ok, pas de réponse, on va y aller. Je veux bien m'amarrer en fait. Pour aller voir ce qui se passe. Si on peut. On va aller s'amarrer, on va voir ce qui se passe. Honnêtement, c'est cool. J'ai fait un, comme je disais, j'ai fait un stream pendant 5 heures. On est allé sur plusieurs planètes, enfin des trucs qu'on avait déjà visité, hein, donc rien de nouveau. J'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai fait des avant-pas, j'ai combattu des trucs et tout. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Tellement que le jeu est vaste, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait. Alors, ça, j'ai des balles. Pour les armes, je sais pas ce que j'ai de nouveau. Ah si, peut-être le VSS. Honnêtement, le VSS dans le jeu, il est un peu bof. C'est du sniper, quoi. On va prendre ça, parce que ça fait toujours mal. Ok, très bien. Ok, c'est parti. T'es prête, Sarah ? Voir un peu ce qui se passe. Ah, je suis content. Honnêtement, comme là, c'est vraiment, j'ai gros sentiment de Fallout 4. Oh, il y a plus de. Donc, c'est pas bon signe. Il y a plus d'atmosphère. Enfin, il y a plus de gravité. Bien ce que je pensais. Pourquoi tu viens avec nous? I am uncertain why you believed conflict with us was advisable. Attends, on va prendre du laser. Ouais. This one's down. Ils sont en train de tuer tout le monde, c'est quoi? Il faudrait un truc laser automatique, mais qui reste puissant, quoi. Mon dieu, mais c'est méga grand! Qu'est-ce qui se passe ici? Je prends le laser, comme ça on n'a pas de recul en fait. Des fois, j'ai du mal à connaître. Ah, vous avez vu ma vue? Ma bille, pardon. Elle est orange maintenant.
What the fuck? 30? Vous voyez comme je recule en... Attends, on va tester un peu. Lui, il met des dégâts corrosifs et tout ça. Ah, il y a ça aussi qui est super puissant, j'ai que 24 balles. Il est où? J'ai pas envie de me faire défoncer la gueule. Sarah, t'as vu notre ami ou pas? Oui, c'est Houdini. J'ai les deux sous la structure. What? What the fuck? Ou alors il est mort? Chelou. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas où est la personne. Putain! Merci, 50. Je me suis boosté en... Message passion. Pierre tombale. Pierre tombale. Ah oui, c'est une arme. On va juste regarder l'inventaire deux secondes. Listen up, scumbags. The assholes are on the move, and we've gotta be ready. No, not the UC. Not the Freestar Collective. The ones that matter. Pirates, mercs, and those religious nutjobs. We always knew there were some places left over from the Colony War. Bases, labs, stuff like that. But now it's come out that there are even more. A lot more. Spread all over the settled systems. Looks like the Big Two didn't play by their own rules when they were playing war. Now it's a friggin' feeding frenzy. Everyone trying to find them, trying to use them. So why shouldn't we? We have just as much right as they do. So let's go looking. Okay. Je crois que j'ai beaucoup de soins de toute façon. Ouais, j'en ai 27 normaux. J'ai des kits d'urgence aussi. Et après, j'en ai 6 que, bah, que j'ai volé. En fait. Ah oui, pour les points. J'ai pas montré les points. Honnêtement, j'ai pas trop monté. Je suis niveau 18. Donc bon, c'est long. Hein, très très long. Par contre, on est sécurité 3. Donc on peut faire les maîtres maintenant. Donc ça c'est cool. Je suis très content de ça. Et j'ai 2 points, c'est vrai que j'ai pas trop pensé. Alors, je voulais, on avait dit qu'on voulait création d'armes. Ah bah ça va, on va faire ça. Parce qu'en fait, l'analyse est super simple à augmenter. On est déjà en 2. Et à chaque fois, il faut analyser des choses, donc c'est ultra ultra simple. Il nous manque un point à dépenser, mais par contre, je voudrais médecine plutôt. Parce que médecine, c'est quand même plus intéressant. L'analyse, il n'y a rien. En plus, on débloque rien de spécial. C'est juste que ça augmente, quoi, les trucs. Mais médecine, ça peut être vachement intéressant. Donc, on fera médecine et après, on prendra création d'armes, je pense. Faut juste que je me soigne quand je me fais tirer dessus. Genre, il y a sûrement une sorte de petit délai. La bien façon par un, carburant consommé. Ok. 5700 crédits. Ah bah putain. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Ah, je suis content de ce jeu. Putain, je suis tellement content de ce jeu. Dégâts d'énergie subis, moins 15%. Ces trucs-là sont vachement bien, mais c'est pas des jetpacks, c'est juste des sacs.
Mais j'ai vu des sacs avec... Bah celui-là, par exemple, il a une des très bonnes stats. Hein. Il y en a plein qui ont des très bonnes stats, en fait. Mais c'est pas des jetpacks. Maître, magie avancée. Ah, on teste le maître ? Jamais fait encore. Oh mon dieu. Non, mais t'es sérieux, là ? On va passer 3 heures. Ok, bon, déjà, ça, c'est bon signe. Alors, il m'en faudrait deux, celui-là. Celui-là, c'est pareil. Non, c'est pas le même. Alors, celui-là, c'est pas un bon. Lui, il va partout. Lui, il va partout. Lui, il va dans le deuxième. Bon, on verra ça après. Ça, il va dans le centre ou à l'extérieur? Ah, celui-là. Bon, au final, ça va. C'est pas trop la galère. Putain. Ah, c'est pas les trucs de Skyrim, hein. Ça, c'est sûr. Honnêtement, avec les couleurs bleues, ça aide énormément. Je suis content qu'ils aient fait ce système-là. Oula, attends. Je me suis pas planté, moi. Oh merde, je me suis planté, je crois. Là, j'en ai 3. J'ai pas 3. Attends, on va recommencer. Ça va faire un truc, un nouveau truc de toute façon. C'est pas comme si on apprenait le système par cœur. En fait. Mais les aligneurs, c'est la merde à récupérer. Oh mon dieu. Celui-là. Celui-là, c'est que à l'extérieur. Ok, maintenant. Bah merde. What? Non mais t'es sérieux? En fait, c'est un attrape-couillon, celui-là. C'est pas... Faut pas l'utiliser, t'es sérieux? Celui-là, faut pas l'utiliser en fait. Je vais y passer 3 heures. Là, il y en a 2. 2 proches. Celui-là. Celui-là et... Ça me paraît étrange que celui-là on l'ait pas utilisé, mais bon. Et 3. On peut le mettre dans les deux sens. Évidemment qu'on peut le mettre dans les deux sens.
Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3. Oh, je crois qu'on est bon. Ouais. Oh, 850. Oh, ça valait pas le coup, hein, putain. Pistolet du vieux monde, c'est quoi? C'est un 45 ça? Je sais pas. Non, je pense pas. Si c'est un 45, putain, on en a pas des munitions. C'est pas mal ça. Tesla, les balles émettent parfois de l'électricité à l'impact, infligeant des dégâts de ralentissant les cibles proches. Okay, c'est pas mal ça. Marrant. Alors. 1, 2, 3, 4. Non. Quelle merde. Après, je peux faire ça. Ah, ça te met le bon, en fait, au bon endroit. D'accord. Je pensais que ça mettait juste celui-là que j'avais sélectionné, en fait. Mais en fait, non. Non, bah, en fait, le placement auto est pas mal. J'avoue que je pensais que le placement auto était pourri, mais... Enfin, que ça m'aidait pas énormément, mais en fait, si. 1, 2, 3, 4... Hop. Ouais, c'est bon. Je sais pas si ça sert à quelque chose, les livres du vieux monde. Je pense pas que cela ait quelque chose d'intéressant. Bon, c'est bien. Ah, fais voir un peu l'arme. Je sais pas si je l'avais dit aussi, j'ai changé le nom des armes, mais je crois que je l'avais déjà fait ça. Pas mal, c'est marrant. Oh, j'ai des balles. J'adore le fait de ne pas avoir le curseur. C'est juste dans les options pour enlever le curseur au centre de l'écran. Ok, je peux pas jouer moi avec le curseur, c'est horrible. Ça casse l'immersion. If you're searching, then make it quick. Après, c'est un choix. Pas par où passer vraiment. Putain, je vais trop loin. Je peux prendre des armes, hein. On les vendra. Hein. J'ai de la place. J'ai un nouveau trial, bon sort ça veut dire trier, c'est par value et poids en fait. Genre la chose qui pèse le moins mais qui vaut le plus. C'est lui.
descends. Et ramène-toi, Sarah. Sortir ça. On va faire un putain de bond en arrière. What? Yeah, ben ça. Tiens. Il fait pas mal de dégâts cette arme. Hélas, j'ai. Et là, je l'ai en blanc. Je l'ai en blanc, mais il a plomb. Le plomb, c'est en gros, ça change les cartouches pour des slugs. Donc c'est pas mal. Ah oui, on a eu ça. Alors je vais faire ça. Médecin, rang 2. Très bien. Donc on a ça. Et maintenant, nous, on va prendre, je pense, ça. Donc vous pouvez fabriquer des modes d'armes, améliorer un établi d'armes et mener des recherches sur les nouveaux modes dans un laboratoire de recherche. Mais des recherches de fabrication des armes supérieures, ok. Voilà, nickel. Là, je suis content. Là, on va commencer à pouvoir crafter des trucs et tout. Quoi, ça, c'était safe? Bon, on avance. Quoi cette boîte? Quoi ça? Une carte. On va monter. Je sais pas si on a tout fait en haut. Honnêtement, je suis perdu. Je vois pas en fait de chemin. Ou alors c'est que ça. This gambling machine looks functional. If we could find the missing numbers, perhaps we'd be able to win the jackpot for ourselves. T'es sérieux? Attends, t'as une machine à sous qui marche? Où est-ce que t'as vu ça? Sarah, où est-ce que t'as vu ça? Je sais pas de quoi elle parle. Bon, ça commence à me gaver là en fait. Il n'y a pas de chemin. Non, c'est bon, il n'y a personne en fait. Ah, par là peut-être. Barrett once told me that he watched Spacer strip an entire abandoned star station down to the deck plating. In a day. Une journée. Truc là, ou c'est là d'où on vient? Je crois que c'est là. Ben, je crois qu'on a fait le tour, honnêtement. J'ai pas, je vois rien d'autre. Je vois strictement rien d'autre. Putain, les couleurs, quoi, c'est. Corps à corps, c'est une hache.
Allez, cassos. Légèrement à me gaver la tournée. Merde, j'ai perdu le chemin. Comment on... Je crois que c'était surtout pour ça. Ah, attends, l'ordinateur, j'ai pas regardé l'ordinateur. Oh mon dieu. Trois symboles identiques. La chance de mon côté, ok. Combinaison du jackpot. Les numéros gagnants sont 12, 19, 36 et 5. T'es sérieux? Vas-y, on prend en photo. Ça marche. Let's bring this stuff back to the ship and sort through it later. Alors, du coup. Ça veut dire que t'avais un... T'as vu un truc qui fonctionnait, toi. Je suis aveugle. Je dois être aveugle, en fait. Désolé, hein, comme d'hab. Où est-ce qu'il y a un truc d'allumé? Où on peut mettre des chiffres. Au pire, je couperai si je trouve pas directement. Oh, je crois avoir trouvé. Je crois que c'est ça. Pour remettre le... Pour réalimenter le truc. Je crois que j'ai trouvé. Putain. Vu que tout est éteint... Oh putain, mais c'est que de la contrebande. Ouais, on va voir ça après. Saisir la combinaison du jackpot. Comment je l'écris en chiffres? Enfin, comment je fais? C'était quoi? C'était 12? Non, c'est pas comme ça. Ah, ok. Entrée numéro 1. 12. 19. 36 et 5. Gagné! C'est pas ça, c'est pas censé s'ouvrir ça. Je comprends rien du tout. Je comprends rien. Putain, je comprends rien à ce qui se passe. Ok, on est en train de partir. Je suis resté vraiment trop longtemps. Hello, Captain. Je suis vraiment resté trop longtemps. J'ai cherché le jackpot et tout ça. Truc spécial. Ok, donc qu'est-ce qu'on a récupéré? Parce que là, on est un peu dans la merde. On en a 6. Et là, on en a 7. T'es sérieux, là? C'est pas fini, en plus. J'ai d'autres choses. On peut pas balancer ça dans la... On peut pas balancer ça dans l'espace, hein.
Faut qu'on le garde. Par contre, j'ai un nouveau casque. Bon, il est en or, c'est pas vraiment le plus important. Il y a ça, change de renvoyer les attaques. Mais au final, je crois que c'est pas très très intéressant. Vu les stats, c'est bof. Je sais pas. Pour l'instant, on le garde. Non mais on peut pas balancer la contrebande, il y en a trop. Un truc qu'on pourrait faire. Désamarrer. Alors ce qu'on va faire. Ship's released. Let's go. C'est un truc. Alors moi j'ai mis déjà de la contrebande en fait. Quelque part. Chez. Valo. Sur une des lunes de Polvo sur Navachi. Ouais. Donc on va mettre la contrebande là-dedans. On va même peut-être faire un coffre, parce que j'avais pas fait de coffre. Voilà, c'est mes boîtes que j'ai mis. Et elles ont jamais bougé, je les ai mis il y a longtemps en plus. Elles ont jamais bougé. Donc le jeu fonctionne bien de ce côté-là. Alors, par contre, je crois qu'on peut créer des boîtes. Boîte de stockage. Il y a quoi comme boîte de stockage? Caisse de contrebande, c'est pas. On va sur un sol plat pour éviter que ça soit moche. Always a pleasure to roam these locations with lower gravity. Ça va, nickel. Ah, faut faire ça, hein, parce que comme ça, vous avez pas de problème. Et parce que je sais, on me l'a dit, je crois que c'est Célia qui m'a dit, qu'on peut vendre la contrebande sur une planète. Voilà. Ça en fait des trucs, hein. Normalement, là, on a quoi? Là, on a du fer. Non, aluminium. Et là on a... Ah oui, on a le gaz. On n'en produit pas assez du gaz. En fait le gaz il est pompé par ça. Il faudrait que je le... J'en sais rien en fait. Il est en train de me pomper tout le gaz que je suis en train de récupérer, alors que je voudrais en faire un stockage. On fait tellement de trucs en même temps, mais dans un sens, ça va tellement vite. Alors, effacer le trait. Énergie, 6 sur 10. Pas de cuivre. Ouais, j'ai pas de cuivre. Du beryllium aussi. Voilà.
tout qui marche, comme ça je ferai une réserve d'hélium. Hélium 3. Allez, on repart. Ici. Attends, on peut juste aller sur la planète. Impossible d'atterrir ici. Mettre cap sur Nezoï. Voilà. C'est ça que je vais faire, c'est mettre cap. Comme ça, on reste en orbite. Hop là. Nickel. Bon, ça a été réparé, ça, ou pas? Tout le monde est mort. Peut-être plus tard. On va voir la carte. Avant-poste minier, caverne. C'est ça qui est bien aussi, d'aller d'une planète à l'autre. C'est instantané, c'est rapide. Si on veut voir des outposts, enfin des avant-postes et tout ça. Honnêtement, c'est cool ce système, moi j'aime bien. All clear. Time to land this ship. Ah, on a pris un point de compétence aussi, dans les modes. On va pouvoir s'amuser. On va regarder ça vite fait. Compte. Honnêtement, il y a tellement de trucs à faire dans le jeu, vous abusez. Do you need something? Non, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. On fait voir déjà ça. La guerre des mondes. Qu'est-ce que je viens de récupérer là? Sûrement un des. Où tu as encore un livre? Alors, armement. Ah oui, alors d'abord je veux faire. Merde. Pas dans l'animation. Change de découvrir instantanément lors des recherches. Là, on a beaucoup plus d'options. Pas Extend, ça va, on en a. Nickel. Puis nickel aussi, on en a. Vous demandez de l'aluminium, j'en ai pas beaucoup sur moi. Ah putain, pas de chance. Pas d'adhésif. Ok. Voilà, on a fait quelques recherches, c'est bien. Maintenant. What's on your mind? Évidemment, t'es sur l'établi d'armes, quoi. Sérieux. Pas vraiment ce qu'on peut faire en fait. Portée, tranquille. Oh, that's a hell of a gun modification. Et on n'a pas assez de. On n'a vraiment pas assez de matériel en fait. Je
Je crois que je le ferai de mon côté, ça, parce que c'est un peu de la perte de temps. C'est quoi le mieux ? Améliore la stabilité à pression du tir au jugé au prix d'une réduction de la précision à grande distance. Améliore la portée à longue distance et la stabilité à prix d'une réduction de pression au tir du jugé. Non, je préfère ça en fait. Je crois que je dois en faire 5 de mode pour passer au niveau supérieur. Bon, ça prend trop de temps, ça me gave. On va juste faire une dernière modification si on peut. Ah, ça. Améliore la précision, le contrôle de recul et la portée au prix d'une réduction de la vitesse de visée. Ah non, mais la vitesse de visée, j'aime bien. La lunette, on peut pas la changer la lunette. C'est vrai qu'au final, c'est pas top. Lunette courte. J'ai pas d'adhésif, super. Stabilité, pression de tir du jugé. Chargeur tactique. Oh, c'est quoi ? Améliore considérablement la capacité en munitions au prix d'une réduction de la vitesse de visée et de rechargement. Grand chargeur, munitions chauffées à blanc, mais j'ai pas... Mode de chargeur et batterie plus. Ah, mais j'ai pas développé tout ça. Bon. Allez, désolé. Comme ça, vous avez vu un peu ce qu'on peut faire. Mais ouais, c'est... On débloque les choses au compte-goutte, hein. Putain. Ouais, il faut faire 3 modes de plus. Je les ferai de mon côté, c'est pas grave. Ouais, c'est très limité, hein. C'est... Putain, c'est pas Fallout, hein. Vache. Captain, do you require my assistance? Non, c'est ira. Putain, c'est quoi ce temps de merde? Alors, où est l'artefact? Hyper naturel, structure. Et du fer. Pas mal cette planète, y'a plein de trucs dessus, la vache. Température 25 degrés, 21% d'O2. Ouh, la gravité c'est 1.04, c'est... Ouh, merde, non, c'est pas ça. C'est plus que la Terre, un petit peu plus que la Terre. Ah, la caverne est là-bas. J'avais pas fait attention. Je veux bien aller voir la structure avant. Voir quel type de... De gens on peut avoir là-dedans. Ow. Oh, now I've lost my appetite.
Là, on commence à aller sur des planètes où il se passe des trucs un peu bizarres, j'ai l'impression. C'est assez marrant. Signe de vie, ça doit être les oris, machin, bestioles, les gros trucs. C'est mignon. Non, c'est un peu moche, mais... Il y a plein de ressources ici, mais ça a l'air d'être un endroit assez chaud à défendre. Je suis sûr qu'il va être un peu la merde. Pourrais-je prendre du fer, de l'iridium, de l'uranium, de l'argon? Je vais être honnête, je suis pas très certain qu'il m'attaquait, mais pas grave. Anything interesting in range? Tu tires sur quoi? Attaqué par quoi? Bon. Ah, je me fais flipper. On y est presque, la structure. Something's out there. Ah oui. Pas eu d'expérience, ça lui a fait trop de dégâts. Il y a un système un peu relou. Attends, on aurait dit un dinosaure. Ou si jamais on fait pas assez de dégâts par rapport à la personne qui nous suit, on prend pas d'expérience. Il y a une structure là juste devant nous. Ben c'est ça que je cherche. Ouais, on va scanner ça et on y va. C'est vachement bien ici, j'aime bien moi. Genre avec le brouillard et tout, ça fout un peu les boules, ça fait un peu... film d'horreur. Sympa. Qu'est-ce qu'on est... Parler au chef du groupe. Colombe traquée. Ça marche. Poste militaire. Bonjour. Comment ça se passe? If you're looking for a refuge, you can stay with us. We're safer in numbers, so they say. On dirait que vous avez besoin un peu d'aide, un refuge contre quoi? Those beasts. Who knows what they're called? Who cares? They're monsters. Vous voulez que je vous emmène sur une planète moins dangereuse, avez-vous quelque chose à échanger? I'll tell you what. Kill those things out there and then we can talk about it. Okay. I won't refuse an offer of help. Just don't get killed out there too. I don't have the strength to bury anyone else right now. T'inquiète.
Du coup, faut faire quoi? Faut tenir la vague? C'est quoi, c'est une vague? Préparez-vous à l'attaque. Putain, on va se faire attaquer! On voit que dalle, quoi. Des asticots partout. Oh! Créature! What was that noise? Ouais, elles sont là. Now you're gonna get it! Je sais pas si vraiment vous aviez besoin d'aide. Franchement. Well, that ought to do it. I think you got all of them, motherfuckers. You killed the apex predator. The rest of the pack will likely scatter. That gives us some time to prepare. Vous voulez que je vous conduise en sécurité? What? Vous voulez que je vous conduise en sécurité? Elle part. Make sure you clean that off before you stow it in your bag. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? First, I'll read. Pigment. Howdy. All right. Des trucs à vendre. Bah, c'était sympa de tomber sur des mecs comme ça là. Des gens paumés là. Tu m'as donné plein de trucs en fait, des cartouches, des packs de bière, des kits de soins. Putain, la vache! La vache! Attends, t'es sérieux, tu m'as donné autant de trucs? Clé du conteneur de matériel. Pourquoi j'ai ça en nouvel objet? Ouf, je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est pas grave. Fais voir. Hello. Désolé, je prends un peu If de temps là, credits, mais je sais pas. I have merchandise. On va juste se vider un peu les poches avec. Ouais, mais elle a que 1300, mais c'est pas grave. Alors, fais voir, trier par. Par munitions. Ça, ça. Oh, ça y est, on lui a vidé les poches. Pas grand chose hein, dans ce brouillard là. Pourquoi vous avez des xéno-asticots partout là? Qu'est-ce que vous avez foutu? Elle aime pas les asticots. Elle. Non, on les entend partout, c'est dégueulasse, ça grouille de tous les côtés. Déverrouillé avec la clé du container, cool. Wow, super, tout ça pour ça.
moitié nul. Il y a des ex-asticots partout. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop ce qui se passe en fait. Ah, vu que les attaques, maintenant ils tirent sur les asticots, ça marche. J'ai pas l'air con, moi, de taper les asticots. Il est bizarre. Ça fait de l'expérience, mais ça fait surtout des objets en fait. Des nutriments. Ça peut m'aider pour faire de la bouffe. Moi je suis en train de tout looter. Ah mon dieu, il se passe des choses bizarres ici. J'ai encore plein de trucs sur la carte. Plein de points rouges. Ouais, ça fait pas mal d'expérience, j'avoue. Make sure you strip everything useful from that thing. Allez, on se casse, ça me gêne. Ah. Alors, où est-ce qu'on va? Repère naturel. La caverne, la zone d'atterrissage. On peut retourner à notre vaisseau, honnêtement. Ouais, on peut retourner à notre vaisseau parce qu'en fait, on est super loin. C'est 900 mètres, j'ai pas envie de me les taper à pied. Pas vraiment. Bon ben voilà, le temps il s'est calmé. Comme ça on verra un peu plus. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your moment. Là-bas, 400 mètres. Scanner. Très bien.
crois qu'il y a des trucs qui planent et ils sont pas censés. Wow, 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 wow. What have we got? Animal, vegetable or mineral? Un peu de tout. Ressources 5 sur 8, flore 0 sur 5, faune 2 sur 8. C'est long, honnêtement c'est quand même vachement long de scanner toute une planète. Hein. Ça prend masse de temps. C'est quand même vraiment grand à chaque fois. Et c'est faut scanner quand même pas mal de différentes créatures et tout, j'avoue. Mais bon, après c'est fun à faire, hein, juste que c'est long. Quoi. Je pensais pas que... Je m'en suis aperçu en fait en stream surtout. Où ça mettait trois plombes au final. J'ai essayé de faire Jamison. J'ai essayé de faire Jamison et j'ai toujours pas fini en fait. Alors que j'étais dessus. Ouais, bien sûr, je pense. J'étais sur Jamison pendant 2 heures. Passage en dessous, c'est quoi ça? Ok. Ça a l'air méga grand. Plutonium. Merde, poils. Ah oui. On peut les looter, merde, je... des mods, je vais continuer à regarder genre tous les jours, genre en gros à chaque fois que, juste avant une session de jeu, je vais te regarder tout le temps s'il n'y a pas des nouveaux mods et tout. Ça va être marrant, petit à petit le jeu il va être bien modé. Mais dis-moi, mais c'est extrêmement grand. Il y a un FOV aussi, il y a un mode de FOV. Je me demande si je devrais pas le mettre. Parce que c'est vrai que dans les grottes, comme ça, quand c'est super étroit, vu qu'on a le champ de vision qui est assez restreint, des fois j'ai un
peu l'impression de me perdre en fait. Ouh, il y a du sang. C'est quoi ça? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est grand. Ok, d'accord, super. Bon, ça c'était à prédire. Oh la vache, putain. Ça, ça a l'air pas mal. Mieux que le nôtre. Moi, j'avais charge 20 dessus. Putain, ouais, mais je vais perdre en charge. Ça va être ouf. C'est pas grave, on se débrouillera. Mais bah, toutes les stats sont meilleures. Je vais pas passer à côté de ça, hein, quand même. On va commencer à prendre de plus en plus cher. Ah! Vu les trucs lumineux, là, les points lumineux, on doit être proche. Je pense. J'ai du mal à monter, hein. Pourquoi il y a des ossements et du sang partout? Oh, c'est une deuxième grotte. Caverne à flanc de colline. Ah, c'est dans une deuxième grotte. Bon, bah c'est reparti. Ah mais non, mais c'est la même. Je tournais en rond parce que j'ai pas trouvé le... Non, non, si c'est la même. Should we search for mineral deposits while we're down here? L'artefact, il est là. Ouais, mais je me suis perdu en fait. Non, Sarah, on cherche l'artefact parce que c'est déjà la merde, honnêtement, j'arrête pas de me perdre. Passer par là? Ah non, peut-être pas. J'ai plus d'oxygène, plus chier. Là-bas? Ah oui, j'étais passé par le mauvais chemin. Ouais, c'est bon, on l'a trouvé. Ouf!
Alors, on va sûrement... Ouais. On va récupérer tout ce qu'il y a. God's sake, drop some of that rubbish already. Ah, il y a du beryllium aussi. Il y a trop de plein de trucs. Oh, ça me rend fou. On va récupérer le beryllium. Le truc que je voudrais, je sais pas si ça existe, le fait de, d'augmenter le découpeur là, pour qu'on puisse miner plus rapidement, ce serait bien. C'est déjà assez compliqué comme ça de miner, alors si tu te mets devant... Encore du beryllium. Mais bon, c'est tellement rare, faut en profiter. La pêche, techniquement, je sais pas encore à quoi ça sert. Je sais pas du tout. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts pour un trip? Ah merde. C'est pas encore exposé. Bon là. J'imagine que d'avoir toutes les parties, ça va nous donner un emplacement d'un système en fait, et on va aller là-bas. Yeah. Bye bye. Bye bye. Du coup, maintenant, on retourne sur la grande Atlantis, là, la nouvelle Atlantis. Ajouter les artefacts à la collection. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, bah du coup, on va vite rentrer. Je vais devoir courir, c'est un peu la merde, mais bon, c'est comme ça. Par contre, ouais, j'aime pas cet endroit parce que c'est vrai que c'est chiant avec la gravité. Oh mon dieu. Il me faudrait un jetpack puissant. Pour des plus gros sauts. Combien de mètres? 400, 500 mètres. Putain.
peux te donner des trucs, Sarah, parce hey. Que... Dropping off a few choice items. On est quand même grave loin. Batterie positron, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est des étoiles. Pourquoi je me fais chier? Voilà. Ok, elle est pleine par contre. De toute façon, je la vide. Talk to you later. Allez, go, go, go. Que perte de temps, ça y va quand même. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer à la nouvelle Atlantis. On va poser donc du coup les artefacts qu'on a. Et on voit ça ensemble et après je finirai là. Comme ça je prendrai le temps de vider l'inventaire et tout ça. Par contre, il y a une super structure là-bas, je viens de voir ça. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, ça a l'air pas mal. J'aurais dû me mettre directement dans le cop. Sarah, donne-moi. Putain, le bordel, quoi. You've got something for me? If you have any gear you want me to haul, I'm happy to help. Alors, prendre toutes les ressources. So long. J'espère que j'ai assez de place dans le vaisseau. ça y est, ça commence. Je sais pas trop quoi faire. Bon, on va directement aller là-bas. Hein. On va pas aller en... Oups, pardon. C'est bien que ça fait tout automatiquement, ça c'est cool. Et on va à la loge. Ouais, parce que si je repars en atmosphère, en orbite, tout ça, on risque de tomber sur des pirates ou des trucs comme ça, j'ai pas envie de perdre du temps. Faut que je fasse quelque chose pour les ressources, faudrait que je les entrepose quelque part. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours cette tenue. Bah après c'est pas si mal en fait. Charge maximale. Allez. Think of a better place to recharge and ready ourselves for our next mission. Un peu plus d'histoire. Thank goodness. Il y a Andreja de ici maintenant. Why? Was there a concern that I would not contribute to Hop the là. Mission? Look at you two. Deux artefacts. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but came back empty-handed. They could be anywhere, can't they? Embedded in a rock or in the hands of an unsuspecting novelty goods trader? Ces artefacts sont vraiment hors du commun. Je suis en tête 3 artefacts à 0. I wasn't aware we were competing, but game on.
Oh no, don't you two start. We're supposed to be working together, not competing. What's wrong with a little rivalry here and there? I think it pushes us to be at our best. Or causes nothing but arguments. Arguments which then breed distrust. Noelle is right, Mateo. Well, I suppose there was that one time, and then the other. What do you think? A little competition can't be that bad, can it? Dans la réalité, elle serait mieux. Il y a du pour et du contre. I feel the same, strangely enough. The inherent contradiction of human nature has once again laughed in my face. I'm gonna be the one laughing at your face if this conversation keeps going, Mateo. See what the two of you have done? You have our friend here trying desperately to not take sides. You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andrasia celebrating a win for the group. I do not mind being asked to join in a debate. It was good to hear everyone's sides. But I do agree that we accomplished something together. Thank you for your help. Bon, pour ceux qui ont pas trop le temps de lire, ils ont dit beaucoup de choses pour rien en fait. Alors, merci pour votre aide. Ce sera un plaisir de continuer à voyager avec vous. Hein? Est-ce qu'elle pourrait venir avec nous? I have no objections. Let us see what else we can find out there. Noelle, pulling some interesting data from those new artifacts. Tell the Rook to meet me back on board the station. Thank you, but it was not necessary. We succeeded. What did you need? Ah, il y a... Ok. Yes, we are done. Andrasia avec nous. Alors, fais voir un peu ce qu'elle fait, équipage. Elle est où? Elle est là. Alors, Andrasia, furtivité, rayon à particules, système d'armes à énergie, vol. Intéressant, ok. Bon, on reste avec, avec Sarah encore pour le moment, mais... Bon, ben on a Andrasia avec nous. We've always considered ourselves explorers, but this really is uncharted territory, isn't it? Bet you never expected to end up involved in something like this. Parlez à Vladimir. Putain, mais il est où Vladimir? Ah, il est à l'Iris. Il est à la station. La station qui est autour de Jamison. Bon, ça va. Attends. C'était pas là où on avait combattu le... Non, c'était quoi? Le... US Vigilance, retour au fourneau. Il y avait une mission à un moment où on a dû l'abandonner. Ah oui, c'est le Warlock. Le démon connu. Oui, c'est le Warlock qu'on a dû arrêter parce que le truc était trop puissant. Ça marche. Bon. Bah du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a bien avancé, honnêtement. Je suis content des petits mods là qui fonctionnent. Petit à petit, on en rajoute, c'est cool. Va falloir que je me vide un peu l'inventaire, que je vois un peu ce que je veux faire. Peut-être que je vais faire un avant-poste supplémentaire pour entreposer mes objets. Je dirais pas non pour un avant-poste où on était en fait. C'était quoi? C'est Olympus? Ouais, Nezoï. Nezoï, il y a beaucoup de ressources en fait intéressantes. On a du fer, on a de l'argon. Eau. Uranium, on a quoi d'autre? Ouais, enfin, c'est surtout pour le fer en fait. Tempérée, rocheuse. Ouais, bon après le fer, si c'est vraiment juste pour récupérer du fer, on peut limite aller à sol en fait. C'est plus loin, c'est moins problématique. Sur la lune, il y a plein de fer partout sur la lune.
sur la lune, on va peut-être faire un truc. Bon allez, on va s'arrêter là. C'était une super aventure, on a fait plein de trucs, et on continuera la prochaine fois. On continuera encore l'histoire principale, évidemment. Ou alors les missions, si c'est d'autres branches, que ça soit quand même principal aussi. On les fera aussi, on continuera ça. Mais on avancera dans les histoires en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.